tapissée et décorée selon les styles du baroque local, l'église mère a été renouvelée au XVIIIe siècle. L'édifice s'adresse sur un plus ancien site religieux où l'on peut noter les traces architectoniques et décoratives datant des siècles XIIIe et XVIe. À l'intérieur figure les décorations en marbre qui donnent solennité à l'environnement et exaltent les formes des autels latéraux. Placés à l'entrée de l'église, les fonts baptismaux en pierre sont parmi les plus anciens dans les Capo di Leuca et datent de 1585. L'hôtel dédié à Saint Alessandro Sauli, ancêtre de Ippad Serafini Sauli, baron de Tigiano et commettant de la chapelle, est lié aux événements féodaux de l'ancien village. La toile, de grande valeur artistique, a été peinte en 1780 par l'artiste Saverio Lillo de Ruffano et elle représente Saint Alessandro qui bénisse les fidèles. L'église conserve aussi l'ancien tableau de la Vierge de Constantinople, qui date de 1580 et fait partie des richesses de la noble famille Arcella. La caractéristique iconographie rappelle les brutales attaques turques qui s'abattirent sur les côtes de l'Italie méridionale pendant des siècles. Parmi les nombreuses décorations ressortent celles du chœur en bois, placées dans l'abside de l'édifice. Les stalles sont peintes à des trempes et remontent au début du XVIIe siècle. L'église est dédiée au saint byzantin Ipazio, évêque de Grangra et saint patron de Tigiano, fêté par la communauté le 19 janvier. Lors de la traditionnelle foire et fête patronale, il est d'usage de consommer le pestanaque de Santopati, des variétés de carottes typiques du territoire de Tigiano.